La mi-temps. Sportaz. Le réseau de routes spirituelles. Finale du top 14. En dehors de la loi de la nature. Le rugby masculin. Ah, vous revoilà. Allez, tout doucement, pour la deuxième mi-temps de cette finale ultime du top 14 de rugby. C'est du sérieux entre ces deux équipes, le Stade Toulousain et Clermont-Ferrand, c'est serré. Ah oui. Ah oui. Sportaz 902 mi-temps dans quelques instants, ça reprend. À la manière française. S'il vous plaît. Top 14 du meilleur du rugby, bien sûr, de l'hémisphère nord en France. Oui, parce que ça se joue à Paris, sinon... C'est à Paris, ça. Oui, c'est à Paris. Il fait bleu. Ouais, finalement, regarde derrière, oui, effectivement, il fait bleu. C'est, il fait bleu, hein, c'est bleu, c'est fort. Non, c'est pas Roland Garros. Je n'aime plus ce tournoi. De se connecter par un exemple concret de vos œuvres. Oui, monsieur a raison. Il faut que ce soit concret quand même. Oui. Alors il y a du monde, là, je ne sais plus qui commente. En bas à droite, en bas à gauche, le mec en haut, qui ouais, commente ce match. Qui veut commenter? C'est qui? Ça peut-être le jeu, nouveau jeu. Qui veut commenter? Qui? Tu as vu comment tu es? Wow, attention, ils reviennent, ils sont là. Bah oui, les gladiateurs des temps modernes. Je ne serais pas là par hasard. Ouais, cette musique, arrêtez-moi cette musique parce qu'elle est en train de me troubler. Et quand il fut arrivé. Non, c'est vrai, Jacques, arrêtez cette musique, elle est en train de me mettre dans un rythme un petit peu. Un peu délicat, t'as pas du hard. Hugo Mollard. T'as pas du métal. Attention, Mollard. Ça va repartir. Hugo Mollard. Arrêtez-moi ça, bordel. Le Molla. Hugo Molla. Allez, deuxième mi-temps sur le service public, hein, parce que nous sommes sur le... Arrêtez-moi ça immédiatement, restart. La chaîne 2. Oui, ça y est, je suis prêt, Jacques. Alors, un petit clin d'œil hein, à nos internautes hein, qui nous laissent quelques messages, comme le Sémillon Colbé Bryant. Oui, absolument. Tout à fait bien, oui, tout à fait... Alors que là, Jean-Louis Nicolas réclame son dû. Pardonnez-nous, hein, on n'a pas l'écran sous les yeux pour répondre à tous vos messages. Et ouais, c'est ouais. Un petit peu délicat en même temps d'écrire et de commenter. Vous le savez, c'est difficile. La vie est dure. Alors, il y a encore des interviews. Jackie, vous avez des interviews, vous? Oui, mais je suis un grand entraîneur du Stade Toulousain, bien évidemment, qui m'explique qu'effectivement, si Toulouse n'était pas si loin de la capitale, on aurait pu y venir plus souvent et bien évidemment faire des jardins partagés pour pouvoir fournir de la nourriture et des légumes sains à toute la population ici dans le stade. Parce que c'est simple, il suffit de faire pousser un petit peu, d'y croire, on prend le terrain, on arrose et on plante. Et puis, c'est aussi simple que ça, il y a du soleil, il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut pour que les grands légumes poussent et pour faire nourrir toute cette population. Et tout sera arrangé. Oui. Et c'est comme ça que ça se passera. Avec Guy Tounoves qui s'est fait recoudre. C'est une interview à la volée, hein, ce qui n'est pas tout à fait le même sport. Attention, ça va reprendre. Are you ready? Oh yeah. Stade Toulousain, Clermont-Ferrand, ouais. Finale du top 14, 11-9 pour les... Toulousains. Toulousains, les Sud-Espoirs. Et c'est reparti, c'est... Ouais, là, cette fois-ci, j'ai tapé pile. Hein, les bougies noires. Les bougies noires. Ah mais tout de suite l'impact physique des jeunes hein, qui sont vraiment en super forme. Super forme. Ah oui, ils sont remontés. Oui, hein, oui, oui, ils ont du potentiel, ah. Ils ont de oui. L'adrénaline, de la viandasse. Oui, oui. Et n'oublions pas que le Stade Toulousain est réduit à 14 depuis quelques instants quand même. Hein. Alors, oh. Le lieu physique hein, de chaque finaliste joue-t-il hein, sur l'impact de la finale à Paris? C'est-à-dire, répète-moi la question, voyons, parce que c'est le début que j'ai pas bien saisi. Clermont et Toulouse sont-ils à la même distance de Paris? Non. Qui? Ah, je vais calculer ça. À tout de suite, Jack. On se revoit tout à l'heure avec oui, Henri Dupont-Neuf. Oh, il est exceptionnel, il est plus qu'excellent, il est exceptionnel. Tekanafatatin. Oui, non, Tekori. Tekori. Oui, je ne suis pas. Tekori. Tout à fait d'accord. Et le petit ballon de déplacement de la part du Stade Toulousain pour envoyer le jeu. Alors, dans le camp Clermontois. Stade Toulousain qui joue le top 14 à 14, hein, tellement c'est une équipe forte. Oui, elle respecte les règles. Ouais, cette équipe c'est ça. Respecte les règles, on joue le top 14 à 14, ouais. Mais plus pour longtemps, Jacques. Plus pour longtemps, puisqu'il devrait rentrer. Call me! Call me!
Il devrait rentrer. Au revoir, Jimmy Furax, ouais, devant ouais. Jimmy Dupont. Ah oui, mais Dupont neuf, là, c'est quand même quelque chose. Ah ouais, non, il est fantastique pour libérer son équipe. C'est vrai qu'il il a beaucoup de vivacité, il fait beaucoup de changements, de variations de jeu. Il est magnifique. Jacques, visiblement, n'a pas beaucoup travaillé cette semaine. Quelle esthète. Il a pris quelques informations par-ci, par-là, et il voulait un sort. Lucien a reçu son arme. Qui a reçu l'arme? Ah, on a perdu la touche, non, Clermont à Picada, si. Qui? À Picada. Un Picada qui... Là, il est debout, il se fait confisquer le ballon, non. Final aussi. Il s'est fait confisquer le cuir. Ouh, les petits Toulousains qui récupèrent ces petits ballons après les avoir perdus, c'est tout à fait intéressant. Tu allais dire les Français, Jacques. Tentative, oui, c'est vrai, excusez-moi, autant pour moi, tous ces internationaux me font tourner la tête. Allons, voilà, Stade Toulousain qui va jouer maintenant le petit périmètre. Oui, Samol. Hein. Voilà, Samol. Samol. Sa demi-molle. Gros Titus. Gros Titus qui est transmis. Gros Titus et le stade continue. Oui, mais il faut pas. Avec Matabio. Qui? Dupont-Neuf, Matabio. Voilà, Camille Pujol. Camille Pujol. Jean Jaurès maintenant. Jean Jaurès qui a le ballon et qui file le long des allées. Ouais, François Verdier. Verdier. François Verdier, oui. Et Toulouse qui avance pas beaucoup. Un hein. petit jeu, ouais, un petit jeu. Ouais. Moi, c'est ça pour concentrer la défense clermontoise, Jacques. Ouais. Et ensuite. Faire la foudroyance. Ouais, enfin là, pour l'instant, c'est plutôt le tramway. Oui, effectivement, il n'y a pas de tramway. Hein. C'est le métro. Hein. Toulouse, Jacques, il n'y a pas. Si, il y a un tramway. Il me semblait. Oh putain, moi aussi. Mais... Ah oui, Huguette. Vous n'êtes pas du coin. Non. Je ne connais pas Toulouse. Huguette qui avait récupéré ce ballon, mais qui l'a complètement vendangé en avant au bénéfice de Clermont. Oh, quel dommage. Il y a un hôpital du coin. Oui, Jacques. Oui, mais c'est phase terminale, quand même. On sent un. 10 points au fond et au fond. Sportaz 902, nous allons prendre un jingle car nous nous sommes oubliés. Rien que ça sonne. Rentrez. Moyenne des avis sur le Sportaz. Mauvais, mauvais, moyen, moyen, bon, bon, très bon, très bon, excellent, excellent. Radio Sportaz, média sportif. Ça partait mal. Il y avait beaucoup d'avis, David. On a beaucoup d'avis. Ouais. Sportpass 902. Ça va? Like a Rolling Stone. 43 minutes de jeu. Hein, 43 minutes de jeu dans cette seconde période. Autrement dit, 3-4 minutes de jeu. Le temps est arrêté sur la leur et pas sur la mienne. C'est regrettable. Allez, attention. C'est chaud. Ah, c'est. Tendu. Oui, on cherche une première action intéressante pour cette deuxième mi-temps. Ah. C'est suspense. Ah. Exceptionnellement ce soir, pour cette finale de Top 14, What? Des filles. What? Pénalité pour Clermont. Oh yeah. Pénalité sur mêlée. Final top 14. 14. Top. 14. Boom. Dégagement de Clermont qui trouve la touche, mais très petite la touche. Dans son propre camp, elle bénéficiera certes de lancer, mais cette formation auvergnate me semble un peu troublée. Oui, petite touche certes, mais l'essentiel est là. C'est-à-dire. On s'est éloigné, on a éloigné cette équipe toulousaine et on récupère la touche côté clermontoise. Oui, Jacques, mais on rappelle quand même que Toulouse mène 11-9 et que c'est à Clermont de faire le jeu, même si là ils ont perdu le ballon. Toulousain profiteur. Avec Tekiri, gastronome en short court. Dupont-Neuf pour Matabio. Verdier. Ah, il faut le jouer, cette balle. Mais il est rentré. Il est rentré, Colby. Hein, ça y est, hein, il est revenu, Jacques. Nous sommes à 15 contre 15. Oui, ce ballon est en arrière, ça peut jouer. Oh yeah, oh yeah, Toulouse a le ball. À 15-15. Oh yeah, oui, le met par-dessus. Ah oui. Eh oui, Tchoka. Petite erreur du défenseur jaune. Absolument, est-ce qu'il n'aurait pas touché le ballon, le bourre de salopard? Oui. Oh, ça, gentiment ralenti grâce à Jean-Louis avec cette. Je le vis. Il le touche? Ah non. Ah bon. Ah, il l'évite. Alors? Ah, il l'évite. Hein. Très bien, très bien. Ouais. Tout va bien? C'est confirmé. Très bien, très bien. Cette musique derrière qui me... J'ai envie de bouger mon bout. Ah ouais.
3, 4. 11-9 pour Toulouse, entre une touche au bénéfice des jaunes de Clermont. Mais Toulouse qui maintient quand même les Clermontois dans leur propre moitié de terrain, et ceci bien évidemment pour marquer un essai depuis là, c'est quand même plus difficile. Ils sont même obligés de rendre le ballon aux Toulousains. Qu'en est-il ? C'est une bonne chose encore pour le Toulouse ? Ah oui, c'est bon pour Toulouse. Ouais, ouais. C'est très bon pour Toulouse. Tout va bien pour l'instant. C'est tendu, c'est tenu, c'est serré, c'est tensionné. Ouais, on a pu avoir peur de ce physique clairement. Toi. Attention, c'est pas fini, Jacques. Ils ont encore un banc qui est monstrueux. Non, il faut le savoir. Ils ont encore du tonnage sur les remplacements. Du lourd, donc, avec une... touche au bénéfice du Stade Toulousain. C'est maintenant c'est la manœuvre avec bien sûr, Jean-Claude Moudenc. Jean-Philippe Moudenc qui se met exceptionnellement aujourd'hui. Tu rappelles Et profession du PAC Toulousain, attention. Mais c'est pas mal du tout ça. Oui, l'arbitre considère que tant qu'on avance, il n'y a pas de stop. C'est le bon sens, allons-y. Attention, deuxième stop. Jean-Pierre Rivas qui a changé beaucoup. Juan Claudio Crella. Si. Ah si, dans les 22 mètres, de Clermont-Ferrand, le Stade Toulousain s'approche de la ligne d'en-but avec une pénalité en souffrance pour les rouges et noirs, et le ballon. Tactique, il le fait exprès parce que, de toute façon, ce sera la pénalité. Youjet. Eh oui, mais le ballon étant perdu, l'arbitre reviendra à la pénalité. C'est bon pour Toulouse, 4 points de plus, Jacques. Je semble plus libéré. Les esprits moins chauffés. Mais 3 points de plus, ça mettrait, clairement un essai non transformé de distance. Et là, ça devient quand même intéressant. Ouais. Oui, plus qu'une équipe qui a de l'expérience, c'est un club qui a de l'expérience. Marche comme un club. Même si une affaire de famille avait bien marché. Une affaire de famille. Stade Toulousain. Marche comme un club. Putain, quel timing. Allô? Oui, Jacky. Comment ça, enthousiasmante, c'est... On ne dit pas Oh, pardon. On dit oui. Ouh. Oui, enthousiasmante, effectivement, cette seconde période. Et surtout parce que Toulouse mène. Place. Et j'aime quand Toulouse mène, Jacques. J'aime les minimes. Joliment. Camille Pujol. La côte pavée. J'aime quand Toulouse mène. Merci, Jacky, pour cette poésie. Poésie. Géographique. Oui, c'est bon. Non, c'était monsieur 97%. Là, on peut rien. Lui, on peut rien lui reprocher. Hein. Non. Il a le pied droit. Dedans. Ah ouais, c'est. Hugo Mollard. Toulouse qui prend 5 points d'écart. 5 points d'écart face à Clermont-Ferrand. C'est Bunch. Qui va devoir rendre le ballon sur le renvoi. C'est très Bunch. Alors c'est niveau rugby là quand même, c'est rugby niveau. Attention, on a fait rentrer du 109 avec des pansements certes du côté de Clermont, mais c'est du 109. Il faut... Oh, ils l'ont pas pris. Et là c'est quoi là? C'est de la gym cirque. Ah oui là, quand même, attends, belle récupération du ballon par les Clermontois qui vont bénéficier de la mêlée. Bravo les gars, ouais. On a chamaillé avec le Toulousain léger. Oui, qui s'est envolé, hein. Je ne sais pas qui a fait cette arabesque dans le ciel parisien, mais ce fut sublime. Mermoz. La TQR. Oh, la TQR. Mermoz. Oh, comme le Nicole Mi. Et là, Roland Garros. Heureusement qu'on le retient, parce que sinon. Toujours. C'est joli, hein, c'est joli quand même. Et regarde, son partenaire qui le retient, sinon il part à la renverse et là il se fracasse. Il est pas bien. Là il est pas bien. Et heureusement que le pote le rattrape par le short et qu'il va le ramener. Tu vas voir, il le ramène. C'est quand même magnifique. Patinage artistique, on va les notes. 6-8. 14-9. 13-9. Oh oui, quel beau placage. Encore un placage intéressant côté toulousain. Ah parce oui, quel que beau placage. Clermontois n'arrive pas à passer. Oh, pénalité. Encore. Oh, pénalité pour Clermont. Oh. Oui, signalé par monsieur. Bon, comme tu veux. Arrêtez. Comment ça, arrêtez? Non, c'est monsieur comme tu veux.
Mais Clermont avance, progresse dans les 22 mètres toulousains. Attention, ils sont là. Mais il n'y a plus la pénalité. Si, toujours, il a le bras. Il le dit toujours. Et Clermont, on a fait une tentative là, en hors-jeu. Ah, ce sera une pénalité. Voilà, il va revenir tranquillement. Ouais. Bon. Position de hors-jeu, visiblement, de la part du Stade Toulousain d'après. Et ça y est, ça chauffe. Oui, c'est d'accord, bon quand ça chauffe. On s'échange les numéros de téléphone ou... Non, pas vraiment. Non. C'est deux ou trois SMS qu'on s'envoie comme ça. Pas très smart. Mais directement. Sans smiley. Sans smiley. Ah, ils se touchent un peu, ils ont besoin de se toucher, c'est des brutes quand même. Ils sont là, ils sont à 100% d'adrénaline, c'est quand même, ils ont besoin de se toucher quoi. Mais alors là, on s'explique pas tout à fait les gestes. Voilà, on doit s'agenouiller devant tant de bêtises. Non, l'arbitre reprend tout le monde en main d'accord. Et signale une pénalité au bénéfice de Clermont-Ferrand. Il a confisqué les mains. Aïe. C'est-à-dire que clairement, on pourrait revenir à 2 points, Jacques. Ouais, clairement. Clairement. 50 minutes de jeu, une demi-heure encore à tenir dans cette superbe confrontation alors que docteur Médard était venu confisquer le Médoc. La pilule. Et là, c'est parti. C'est là, quand même, il dit, il l'a secoué comme il faut. Il l'a secoué, le grand brute. Mais c'est pas ce qu'on attend de ces professionnels, non? Quoi? Attention, c'est pénalité pour Clermont-Ferrand, sous les yeux de son peuple. Dur. Qui va jaillir, regarde, ils sont tous jaunes derrière les poteaux, là, ils vont... Ah, là, c'est il, pas le, mal aussi. Il le met. C'est dedans, 14-12. Ah, oh, c'est serré, on le savait que ce serait serré, mais c'est serré, et là, j'aime pas quand c'est serré. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre sujet, ça. C'est difficile, je n'aime pas cette tension, Jacques, je n'ai pas les capacités à tenir jusqu'au bout, tu le sais. Top 14, nous étions engagés. J'ai mal partout. Finale. Alors qu'on revoit le péno qui a été refusé. Elle est remise en jeu. Oui, mais trop facile. Trop facile, oui, pour les Clermontois, elle est toujours trop facile, cette remise en jeu. Badaboum, au sol. Certes, badaboum, mais... Il lâche pas le ballon. Il le met maintenant. D'accord. Maintenant il le met. Et clairement on peut repartir de ces 22 mètres, 14-12 entre les deux équipes après 52 minutes de jeu. Et on cherche l'éclaircie du jeu en tout cas pour le moins. Ouh mais ça c'est un ballon rendu. Oui pour le doc, qui a vu une faille là, il a pas vu le camion. Non. Oh Fritz, Bruce Lee, c'est Bruce Lee qui est venu quand même reprendre l'attaquant toulousain. Oh, qu'est-ce qu'il y a mis, Bussli. Wolverine. Alors qu'on voit Wolverine qui s'en va tout seul. Et Bussli qui arrive. Là, il est là. Oh, le 148. Oh, c'est terrible. Ouf. Elle est remise en jeu, jaune, dans leur camp. Oui, mais ils l'ont perdu. Ce petit tout. Quel salopard, celui-ci. Il perd le ballon. Il faut la lâcher, cette balle. Il faut la lâcher. Elle est bonne pour Toulouse. C'est goal. Fais-le. Oh. Pourquoi? Allez, non. Goal. Il veut quoi, la caméra? Il veut tout. Mais là, il le verra pas. La caméra, même avec le ralenti. Alors là, on en prend pour 10 minutes. Chers amis, nous en prenons pour 10 minutes. Donc, on a un jingle. Oui, c'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, moi j'ai rien vu. Toi, t'as vu que moi j'ai rien vu, mon pauvre. J'étais pas là. L'arbitre de touche a dit qu'il n'était pas là et donc ça va être difficile de voir. Jean-Louis, est-ce qu'il a essayé, oui ou merde? C'est important. Mais pour l'instant, il n'y a que Toulouse, Jacques, qui s'est mis en position de pouvoir marquer quand même. C'est cela. Non, il faut le dire. Le jeu flamboyant que nous attendions est là, à côté Toulouse. Et ce contraste entre. Toute l'iconographie de fin là il y est. Oui. À donde est la pelota? Alors, on le voit en haut, en bas. La pelota, non, elle est pas là. Tu verras, on verra rien. Non. Hein. Jusque-là, ça va. Là, il donne le ballon. Ah, là, c'est une image après, intéressante. Il le dispute. Et il après, va. Ah oui. Et après, ah, si, il y a goal. On le voit. Eh oui, il y a goal. Il y a goal. Par la Tolosa. Si, on voit ton goal. Tolosa. Ton goal. Top 14 goal. Mais oui, tu vas le faire, tu vas le siffler. Si. C'est ou mais non, il va pas le donner, il y a un doute terrible. Try ou no try? Il y a un doute terrible. Non, il dit non. Oh, si c'est non, c'est mêlé à 5 mètres. Si c'est oui, c'est goal. Non try. Mêlé non alors try.
Oui, mais les Bretons, tout Toulousain, zinzin. Certes, mais... Qui joue bien. C'est dommage. Mais les Bretons, Toulousain, zinzin. Qui joue bien. 14-12. Et un deuxième essai refusé. Mais ils sont là. Par monsieur, faites comme vous voulez. Aux abords de l'Empire. Mêlée pour un deuxième essai pour les Toulousains qui sont bien motivés. Ouais, mais elle n'est pas à leur bénéfice, cette mêlée-ci. Ah si, Jean-Louis, si. Ah, il faut la sortir vite. Il faut la sortir vite. Gros plan, Jean-Louis, c'est bon ça. Ah oui, maintenant. Allez, mets le paquet. Allez, Toulouse, c'est le moment de marquer des points, c'est le temps fort de bonne équipe. C'est une bonne équipe. Bonne équipe. Le score quand il faut. Maintenant les gars, allez, un petit appui, on sort de la mêlée, on est combien dessus? Et pénalité par la touche. Avanti. Continuato. Perdi la pelota, tu as marqué la pénalité. Come on, guys. Ils sont là, ils sont à 5 mètres maintenant de leur but. Déclarons-toi. Sorti tranquille, oui, mais c'est joliment fait, c'est difficile, oui. Avec Wolverine. On sème du beau jeu. Et on a l'intervalle et on y va et on marque. Un superbe essai. You jet, try. Try. From Toulouse. Oh, ce ballon mal parti, mais bien arrivé. Oh, yeah. Tout le monde a touché. Regarde, hein, ils l'ont tous. Personne ne fait le pas supplémentaire. C'est bon, il la donne. C'est bon. Et lui aussi. Et c'est go. C'est du bon. Sous l'œil terriblement féroce de l'entraîneur Clermontois. Et oui, ils n'en ont pas mis un, ils en ont pris deux. Hey. Et encore, il y a eu un refusé. Hey. Il est Toulousain superbe. Toulouse. 55 minutes de jeu. Toulouse 19 pour l'instant, mais cette fois-ci, c'est passable. Le complexe Clermontois. Oui. C'est Huguette, hein, Huguette qui se fait un doublé, peinard. Ah ouais. Hein, tranquille, en disant rien à personne, discrète sur son aile, et Huguette qui en met. Eh oui, ne pleure pas, Kiki, ne pleure pas. Ah, c'est bon. 97%. Oh putain, 21-12 oui. Pour Toulouse. L'envol du stade. Ah yes, il la joue fine, il la joue bien. La dernière petite passe rapide, et il la joue très bien. Et c'est goal pour Toulouse qui va récupérer maintenant la pelota qui peut faire la chose. L'envie de jouer. Maintenant peut-être, se libérer totalement et lâcher les chevaux. Et faire mal à cette formation clermontoise, à ces Auvergnats, sur la piste à Giscard d'Estaing. Avec les Toulousains, mort la fin. Oui, 56 minutes de jeu, est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors, dans mon salon tout à l'heure. Je suis en Auvergne, je suis au pile d'hommes. Un peu plus tard, là. Ah bon? Ballon relancé, Toulouse, qui le met très en l'air, mais personne ne suit. Il l'attendait quand même en bas. Effectivement, et au port de Blagnac, il y avait du monde. Arrivé sur le tarmac. Yes. Un tarmac qui ne joue pas. Il est sur le banc. Ah, sur il n'est pas sur le... Tout à l'heure, sur le banc. Il y a des bancs dans les aéroports. Oh, ouais. Colby. Oh, what Colby a Bryant. Ah, Colby. Ah, quelle prise de balle extraordinaire. Les Toulousains sont experts en manipulation. Là, il conserve. Si jamais il conserve un petit peu et qu'il crée un petit espace, je crois que ça peut faire mal, très mal, au Clermontois. Terminer un peu la... Mais si, lorsqu'il s'est fait secouer. Le jeu de sape. Là, c'est bien ça, voilà. Les renvoyer vers chez eux. Les renvoyer là-bas, les garder au fond de leur camp. Hein? Ouais, on les maintient à un niveau non dangereux. Oui, et puis l'autre, il fait n'importe quoi, il renvoie le ballon, ça permet à un partenaire toulousain de repartir avec Colmy qui a vu la petite faille là. Pour une toute touche, mon pote te touche, pas de touche. Dégagement clermontois, on touche par contre. C'est un peu le merlier, oui. On va jouer vite, c'est sûr. Oui, bien sûr qu'on a joué, il l'a fait. Oh là là, c'est qui? Auto-touche. Wolverine, non, c'est Sergent Ramos qui l'a donné, on est pris. Attention de ne pas être en touche, bande de cons.
Merci Jackie pour le soutien. Ah non, et ce sont les Clermontois qui récupèrent. Eh oui, on a trop joué. On a un peu trop joué du côté de Toulousain, un peu trop facile. Même si là, se reprennent vite avec une défense. Ça devient chaud. Voilà, ça devient bon. Ça marche, ça devient bon. Slash. Clermontois au milieu du terrain. On va passer dans le camp toulousain. En sous-nombre. Oui, mais ils sont en déficit quand même. Côté gauche. Oui. Intérieur. Et ils reviennent, ils sont bien. 21-12, on vous l'appelle pour Toulouse. Ouverture là-bas pour Jean-François. Ah, Jean-François qui est passé. Bien extirpé. Ah, il est passé, Jean-François, le con. Bien récupéré par Marcel Dupont. Qui était bienvenu rue du Thor. Et ça continue pour Clermont qui attaque à mort. Il y a Clermontois qui récupère facilement le ballon après avoir avancé. Qui ont mis du temps et qui a permis à la formation toulousaine de se replacer, bien évidemment, en fonction des données corrigées de variations saisonnières, Jacques. Au début de cette mi-temps, les Clermontois devaient faire le jeu, mais là, avec 21-12, ils sont obligés de marquer un essai, c'est évident. Alors qu'on avait tenté l'interception du côté de Toulousain, les Clermontois sont donnés 22 mètres désormais avec Brutus. Brutus. Bien énervé, là. Ah, bien comme il faut, oui. On continue de sortir, mais les Toulousains sont bien passés. Pénalité au bénéfice de Clermont pour hors-jeu de la part de Toulouse. Mais c'est une pénalité lointaine, Jacques. Lointaine. Et voilà. Certes, il y a des bons buteurs du côté de Clermont aussi, mais il faut la mettre à cet instant de la partie. 60 minutes de jeu, on est fatigué. Une tension nerveuse exacerbée par le score, la dimension humaine, je veux dire, jungle peut-être à un moment donné, je ne sais pas. Comme les garçons, à fond. Il est primordial. Sur Radio Sportaz, du 7 juin au 7 juillet. Pour les femmes et les hommes. Pardon ? Sportage. Coupe du monde de foot féminin. Du 7 juin au 7 juillet. Les joueurs, les entraîneurs, les clubs attendent de la compétence sur les terrains. Sportaz. En configuration de Coupe du monde. Doucement les gars quand même. Doucement. Oui, là on est des amateurs. On est des amateurs. On attend le résultat de lundi, patiemment. Attention, pénalité par Clermont, Jack. Oui, pardon, on parle de Coupe du Monde féminine, mais c'est quand même Clermont qui peut revenir. Lundi, on n'y est pas. On est là mardi pour les 25 ans. Voilà. Oui, on peut le dire maintenant. Ah, c'est lâché. Lâchons-nous. Ah oui, on peut le dire. Lâchez-nous. Donc. Et c'est transformé. Voilà. Ah, pénalité passée par Clermont qui revient un petit peu dans le jeu avec 21-15, 6 points d'écart. Autrement dit, un essai non transformé, ça le fait pas. Un essai transformé, ça passe. Mais sinon, c'est deux pénalités ou une pénalité et un drop. Sinon, vous pouvez cumuler avec les points de nos partenaires. Votre carte fidélité à votre disposition. Et tout ça, et changement du côté de Toulousain, puisque Técori, oh là là, il a des bras, ils sont plus gros que moi. Midi catapulte. Et ça rentre. On fait du changement du côté de Toulousain pour les 20 dernières minutes qui s'annoncent absolument extraordinaires. Bien affiné ces deux équipes pour finir ce top 14. Ah oui, c'est la en fin. Beauté. Oui, c'est la fin, effectivement. Jacques, en c'est beauté. La fin d'une compétition qui a débuté au mois d'août dernier dans les chaleurs que vous imaginez. Après être passé par les frimas de l'hiver et bien évidemment les surprises du printemps, cette compétition va s'achever sous vos yeux dans 20 minutes. On n'aura pas vu beaucoup non plus. C'est vrai qu'on n'a vu que la finale. Allez, c'est parti pour Tolosa qui renvoie l'épaule après avoir pris du score. Chez les jeunes. Avec Lille. Chez les jeunes. Chez les jeunes. Hein. Miguel Indurain qui livre le ballon à Bernard Ignao. Bernard Ignao. Un gilet jaune fuchsia. Transfert de Brésil. Gilet jaune. Alors le doc est sorti. Hein. Qui ouais. Lequel? Le doc, lequel côté Toulousain, est sorti. Il est sorti. Buzy. Quelqu'un a repris son officine. Buzy. Et intervention de monsieur, attention parce que. Le stade. Oui, on va trop loin du côté de Clermont. On va au-delà de ce qu'on peut faire et l'arbitre a visiblement une pénalité dans l'œil. Mm-hmm. Il y a encore du changement là, je vois. Racaille qui sort. On se prépare du côté toulousain avec cette petite action qui est mal tournado. Qui est mal tournado, mais intervention. Et on revient à la pénalité, Ils sont souvent fautifs, les Clermontois. Indisciplinés qu'ils sont dans cette confrontation et ça va leur coûter cher.
pas bien vu le moment hein, où on a échangé tous ces joueurs-là. Je me demande encore si ça a été fait réellement. Jackie, vous avez des informations? Oui, oui, des informations. Effectivement, il y a un truandage. Hein. Il y a, cette fois-ci, du travail au noir. Hein. Je dois le dire, il y a du travail au noir, des joueurs qui rentrent, qui ne sont pas payés. Du travail aux All Blacks. Oui, c'est un petit peu dégueulasse. Et touche trouvée par le Stade Toulousain dans les 22 mètres. Celle qui va marquer. Marquer ! Il faut marquer ! Clermontois. Ouais, de belles actions tout de même. Hein. Ces deux équipes ont atteint leur niveau de jeu. Là, et surtout, on voit que les Clermontois, au-delà, à chaque fois, ils ont du mal à se discipliner, à ne pas aller au-delà du ballon, Jacques, quand ils veulent se mettre en confrontation. J'essaye de t'expliquer un petit peu les règles. Je fais ce que je peux. Stade Toulousain. Ah, c'est la touche Stade magnifique. Touche. Avec Airbus. Et on se regroupe en vol. Airbus qui a pris ce ballon et qui va faire avancer. Oui, oh là là, oui, il pénètre. Oui, il pénètre, c'est le momol. C'est le grand momol. Oui, pour Toulouse maintenant qui fait l'action. L'action de jeu avec celui-ci. C'est intérieur, non, il y a quand même du monde en face. Bien chargé. Oui. Ouais, bien pris. Bien chargé. Et on écarte du coup. Avec un petit décalage peut-être pour lui. Nicolas, Colmy. Colmy, mais qui est surveillé. Hein. Colmy, on le connaît. Pas grave, on revient encore et à gauche, à droite, à gauche, à droite. On fixe. On fait ça. Toulouse s'éclate. Pas oui. En avant, ouais. On avance petitement. Mais en avant. Ouais, au sol, il y a du soutien. Ouais. Toulouse est là, aux 5 mètres maintenant de l'embu. Oum, à dos, c'est mieux. C'est ouais. Fort, ouais. Un essai maintenant, Jacques, et je crois que cette finale en serait terminée. Et c'est ainsi que naissait une grande équipe. J'ai un tenage qui a toujours été la grande équipe. C'est le stade qui va rechercher encore. Ah non, il y a de l'espace, Kiki, ils vont le mettre cet essai, oui. Ah, l'évitement là. Toulouse. Oui, d'accord, il y a encore des commandes. Du jeu, allez, call me. À qui appelle ses partenaires d'ailleurs. À venir le soutenir. Avait besoin. Ah oui, on joue intelligemment à 3. Oui, c'est bien fait sur un seul défenseur. Il n'y a plus qu'un mètre. Il n'y a plus qu'un mètre. Il joue plus, Il est tout seul. Et dès l'intervention de monsieur. Soufflons. Oui, il demande 3 points. Intervention, pénalité au bénéfice des Toulousains. Position de hors-jeu des Clermontois. Et ce sera donc 3 points de plus pour les Rouges et Noirs. Il pourrait reprendre un petit peu plus le large. Ce qui n'est pas du luxe. Ah non, non, c'est très bien de le faire là maintenant. D'autant que regarde, elle est pratiquement donnée cette. Pénalité, c'est 3 points juste en face. Non, il faut la tenter, il faut la faire, il faut la transformer. Et moment crucial. Exactement, Jacques. On 65 minutes de jeu. Les Toulousains qui mènent déjà à l'avantage, mais qui pourraient prendre un petit confort. Un bel écart. Voilà. 24-15, 9 points d'écart, Jacques. Ça fait beaucoup. Pour l'adversaire. Clairement, toi qui n'ont pas su nous mettre vraiment en danger pour un essai. Non, exactement. Bravo, quelle analyse sublime, chaud, bravo! Mais il reste du temps à jouer. Oui. Même si là, il en bénéficie un petit peu. Il fait tourner le chronomètre, alors que le nôtre est affolé. Hein. Je ne sais pas où il en est, mais le nôtre est affolé. Tu as raison, chmi-chmi. Et c'est notre chronomètre qui défend. On va donner le chronomètre à la main, 65 minutes et 13 secondes et 14. Non. Mais il faut dire qu'au rugby, Jacques, il y a tellement d'arrêts de jeu de ceci, de cela, que c'est difficile de surveiller le merdier. Et oui, c'est là où il y a la faute. Ils vont trop loin chaque fois sur les impacts. Ils vont au-delà de ce qui est autorisé par rapport au ballon. Vous écoutez Sportaz. Profitez-en. 902. Une fois de plus, récupération intelligente de Pinoman qui a permis à son équipe de se relancer dans le camp toulousain qui attaque, ça joue. Clermontois, non, on va pas rester là, c'est évident. Non, il faut qu'ils jouent. Ouais, ils ont des armes, eux aussi. Bien sûr. Ils vont en mettre un, Jacques. Mais il ne faudra pas s'affoler à ce moment-là. C'est là où je te demanderai de garder tout son... son calme. Oui, tout son calme. Sa sérénité, bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, les jaunes... Même si la défense toulousaine est belle, hein. On les voit, ils sont très hauts, ils sont physiques, ils sont présents. Et ils les obligent à chaque fois à catapulter le ballon. Normalement, un bon jaune, ça déborde. Et toujours avec cette fois-ci, c'est... Contador qui... Attention à l'action encore dangereuse pour les Clermontois qui font une combinaison en 22.
n'y arrive pas. Ah, il bloque, il bug. Ah, il n'y arrive pas avec Clermontois, ce sera une... C'est stoppé. Un en avant, me semble-t-il. Ah bon? Oui, un en avant, on s'est allé par monsieur. Ouais, Schmitz. Et encore en avant, il est gentil parce que le ballon est envoyé par l'avant par un joueur qui est récupéré devant par un partenaire. Normalement, c'est une pénalité, Jacques. C'est un en avant, alors. Effectivement, c'est un petit peu navrant. Hein? Un avant, j'ai un avant. Allez, 66 minutes. Et c'est, en plus, on est 7 maintenant. 46 secondes, c'est bloqué, là. On n'y peut rien, de le doc hein, qui consulte. Non, rien du tout. Là, ou alors, il a un dossier qui l'intrigue terriblement. Je pense, ouais. Une malformation, peut-être. Quelque chose comme ça, alors qu'on voit Colby. Colby qui a donné cette balle pour laisser la première, ouais. Duguette, déjà. Et ensuite, c'est lui qui va lui donner la deuxième. Regarde. Yo. Là, il pourrait y aller tout seul, mais de suite, il la donne, Colby. Oh, ouais. Oh, ouais. C'est efficace, c'est pro. Oh, putain, Huguette. Huguette, elle plante quand elle te plante une tomate. Huguette, c'est sérieux. C'est sûr que ça pousse. 67 minutes de jeu. Sportage 902. Introduction mêlée pour les Stades Toulousains. Vite, c'est la sortie. Au niveau de leur 22. Ah ouais, il a glissé. Et un peu. Ouais, ouais. Un peu, il a perdu ses appuis. Patinoire. Ses appuis de Dom. Ses appuis d'homme. C'était Dom, oui, Jacques. C'était pas Clermont. C'est dommage, c'était bien trouvé. C'était pas moi, Clermont. Propos. C'était pas Clermont, même. Allez, Toulouse à la balle. Toulouse qui gagne quelques bonnes, belles et très cruciales minutes. C'est bien ce qui se passe en ce moment, puisque vous voyez, le train de Matabio va partir. Quel enthousiasme. Alors que Jacques j'hésite. Jacques j'hésite et touche au bénéfice de Toulouse. Ah oui, il y a beaucoup d'enthousiasme. J'ai assez réduit. Jean-Louis Laventoline. Ah ouais, il m'a vraiment poussé. Jean-Louis, Ventoline. Quel enthousiasme. Ouais. Ah oui, l'altitude, Jacques n'est jamais monté à Jolimont, et ça lui fait quand même quelque chose. Attention, mêlée au bénéfice des rouges et noirs, quand je mets mes noirs. Bonsoir. Nous avons un petit jingle quand même. Ah. Hein? Il y a un dernier jingle. Quand... Comment ça un dernier? On a passé les... Non, on avait eu quand même deux jingles finalement. Tu deviens un rat, simple. Sur les jingles, tu deviens un rat. Non, 4 jingles pour une finale de top 14. C'est vrai. Réglementairement. Oui, mais avant, toute la saison, c'est 3 jingles. Pour les filles, c'est 5. Pour le rugby, c'est 4. Ah, les filles, 5. Les masculins, les filles. Non, je trouve que tu... Le verre de Sergio Céline. Oui. Le générique se prépare déjà derrière. Tandis que mêlée est embrasée. Oui, mais ça ne... Mais c'est très bien, c'est au bénéfice du Stade Toulousain, puisque les secondes s'égrènent. Et c'est parfait pour la ville rose, qui va ce soir exploser de joie. Oui, ça sent... Ah là là. Les retrouvailles, 7 ans plus tard. Oui, enfin, non, attendez, ne vendez pas la peau quand même de l'ours auvergnat. Avant l'avenue de l'URSS, avec... Prions Saint-Agne. Une mêlée, beaucoup de mêlées depuis. Mais c'est très bien, tant mieux pour Toulouse. Mêlée. Oui, c'est très bien pour Toulouse, qui a la balle en main, qui a les scores en main et qui a les minutes qui s'égrènent pour elle. Vite, il faut pousser. Allez, on le sait à Toulouse. Et sorti, ce ballon est pénalitat. Ah, oui, ils les ont défoncés. Là, ils les ont défoncés complet. Au moment où j'allais dire à Toulouse, même les mêlées aiment la castagne. Non, là, ils ont ramassé. Ils se sont fait charger, oui, ils sont plus bons du tout en mêlée, les joueurs du Stade Toulousain. Il y a 10 minutes à tenir, 10 minutes, il faut éviter ce genre de... Ah oui, là, ils se sont emmêlés. Ah oui, il faut éviter ce genre de truc. Attention les gars, un dégagement dangereux, donc... Ouais. Non, mauvaise touche. Oui, mais... Aux abords des 22 mètres, mais là, on s'est fait... Ouais. Jacques, t'as pas poussé. Regarde, oh là là. T'as pas poussé. Alors, on a encore... Beaucoup d'espoir côté fan de Clermont. Oui, et on a du jeune du côté toulousain qui se fait défoncer là, un truc qu'il faut éviter les mêlées désormais. Oui. Ah oui, absolument. Jeune. Il oblige. Allez, c'est parti. Rapide.
Ouh, lui, il s'infiltre. Et nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce match, toujours 24 à 15. 24 à 15 quand même pour le Stade Toulousain, mais là, clairement en train de vouloir revenir au score. Ouais, ils sont dans les 22, Toulousaine. Absolument, Jacques. Ok, intérieur. Oui, mais bon arrêté, bon plaquage. Ah oui, parce que bonne défense du Stade Toulousain qui oblige les Clermontois à jouer, mais à jouer dans la difficulté. Dans pour le de vrai. Oui. Ah, lâche-moi le ballon. Ici, beaucoup de soutien. Oh, il a ramassé l'autre. Il a soufflé, il a ramassé comme il faut. Pas de faute en tout cas. Toujours pas. On recule. Ah si. Oh, signalé par monsieur. C'est pas grave. Non, à moins qu'il ait signalé le ballon qui allait en arrière. Ok, ça match. Oui, c'est vrai que je crois que c'est ça. Il n'a pas continué à avoir le bras levé. Ouais. Surtout pas. Il y a pas de cette faute. Fois-ci, si. Cette fois-ci, si. Cette fois-ci, si. Ah, si, si. Cette fois-ci, si. Ouais. Alors que vont faire les clous montois? Les clous montois ont une clou. En poche. Ah, c'est une bonne. À ce moment-là. 18-18, on revient à 6 points, c'est possible encore, Jacques. Ils vont la tenter, la réussir, bien évidemment. Ils vont la prendre. Mmh. Ouais. Et ils la prennent. D'accord. Ah, ils la prennent, bien sûr. 72 minutes de jeu, 3 points qui sont donnés. Je viens de la prendre. Parce qu'il ne veut pas les louper, ça fera 24-18, il restera 6 points d'écart. Et attention, parce que je sens clairement physiquement plus fort, Jacques, là. Hein. Ouais, physiquement certes, mais techniquement ça ne fait que 3 points de plus. Certes. Toujours pas d'essai. Tout au pied, c'est vrai. Une équipe qui marque tout au pied ne mérite pas de gagner le championnat. C'est pas mis chemin. Du pétrole et. Ah oui. Je ne sais pas si on va en trouver sur le stade. Si, apparemment, là, sur la bande, ils ont trouvé. Une trace peut-être. Du pétrole, une trace. Allez, il faut récupérer ce ballon. Très haut. Non, chaque fois il le voit. Il le renvoie très loin pour lui. Là. Ouais, mais c'est les consignes. Oui, mais c'est un ballon perdu. C'est un ballon plastique. Il vaudrait mieux essayer de le disputer quand même. 7 minutes. 7 minutes pour le Stade Toulousain qui mène, on vous le rappelle, de 6 points d'écart. Alors, les jeunes qui ont dégagé, hein, Clermontois, pour que ce ballon ne sorte pas et revienne dans les mains toulousaines, je ne comprends pas bien. Mais les Toulousains en profitent. Ouais, Youjet. Youjet, il en a mis des Youjet système. Il en a déjà mis deux, tu vois, il n'a pas non plus tout faire. Avec Toulouse, Katak, il faut venir les aider. Et conserver un peu le cuir. Aider, tenir. Oui. Il y a des impacts. Joli plaquage. Waouh. Écoute-moi cet impact. Et Clermont qui va récupérer le ballon. Non, on ne se chie pas le ballon pas rapidement. Oh, ça joue, c'est terrible. Débordement. C'est féroce. Nous ne sommes plus des animateurs lambda. Nous sommes désormais des commentateurs sportifs. Et ce ballon impliqué. Oh, mal joué par Clermont. Ouais. Et ce sera une touche au bénéfice du Stade Toulousain. Une passe lobée. Ah oui, lobé. Complètement loupé surtout. Oh, ça devient chaud. 24 à 18 pour le Stade Toulousain face à Clermont. Et 74 minutes de jeu sur un temps qui en compte 80. Quel beau plaquage. Celui-ci, il l'avait senti, mais... Il est bon, hein, Nicolmi. Et finale de top 14, enchantante. Ah, surtout, stressante. Finale de Thomas Milian. Je ne connais pas. Attention. Tolosa. Oui, Tolosa. Rouget. Tolosa. Avec Jean-Pierre Rive. Je le vois, il est grand. Regardez, il a grandi, Jean-Pierre Rive. Il est grand, il est immense. Oui, il est tout le monde qui attaque. Mais attention. Et là, c'est Jean-Pierre Rive et gauche et droite. En même temps. Et oui, on a déconné du côté du Stade Toulousain. Pas grave, on a de la marge encore. Les minutes passent, les secondes s'égrènent, mais pour l'instant, le Stade Toulousain n'a plus le ballon. C'est une mêlée au bénéfice des Clermontois. Quel timing. What? On n'en peut plus. Avoue que t'en peux plus, Jacques. L'horloge est bloquée. Oui, t'en peux plus. Faut le rappeler. Ah, la nôtre. S'est arrêtée. Ah, ouais, la nôtre aussi, mais depuis. Et nous, ça fait longtemps. Très longtemps. Ça s'est arrêté. Youjet qui sort. Ah, c'est Youjet qui sort. Qui c'est qu'on met? Le Doc qui re-rentre. Ah non. Écoutez. Ah non, Jacques, non. Alors, c'est le frère du Doc. Non, alors qui c'est? Petit Doc. Ah, N. Tarmac qui fait son apparition. Ah oui, on a tout changé. C'est-à-dire que le Doc pour est passé pour le stade, à l'aide à la droite. On a changé. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire, Jacques. Offensif. Tout de même, non. Et c'est bien. Le temps tourne pour Toulouse. Les mêlées se déroulent difficilement. Mais Clermont est supérieur, effectivement, dans ce
domaine. Il faut tenir. Et il le sait. Du Gomolard. Allez, on la joue. Petit courant d'air là qui prend. Ça rafraîchit le score, hein. Ça rafraîchit le score, effectivement. Non, c'est pas chaud. Allez, Jean-Luc, on sort ce ballon pour Clermont. C'est fait. Et Jean-Philippe. Qui ? James. Jean-Philippe James. Il est pris, Jean-Philippe James, celui-là. Ouais, donné. Ouais. Et bien plaqué, il est surveillé de près, hein. Penalty. Belle dextérité. Toulousella essaye de contester sans vraiment s'y lâcher le surnombre, c'est important. Oh, limite en avant. Jacques, bravo. Merci. Alors là, après 76 minutes de jeu. À l'affût. Cette lucidité. Sans refus. Ah, genre, alors là, je suis vert. En 25 ans, il ne m'a jamais fait un coup comme ça. Mais là, c'est Toulouse, c'est la finale, et là, il a l'œil bionique. Et oui, c'est un en avant de passe. Finale intéressante pour les deux équipes, il y a du suspense, il y a un bon niveau. Oui, du côté de Clermont, on n'est pas serein. Voyons Toulouse, Jean-Louis, est-ce que tu peux nous montrer la place du Capitole Toulouse, Jean? Oui, parce que là, quand même, un peu les deux côtés, non? Service public. Normalement, c'est ça. Service public. Oui. Jean-Louis, tu nous montres, Jean-Louis? Merci. On ne peut pas compter tout à fait sur lui en fin de match. Apparemment, lui un aussi retour. S'est emporté. Oui, retour du pilier. Oui, ça va mal du côté toulousain. Il était obligé de faire rentrer. Celui-ci, il n'est pas bien. Il n'est pas bon. On le sort et on fait rentrer. Pizza molle. Non. Il est ailleurs. Quand le film commence, c'est... Ils ne savent plus boire, t'as vu. Non, c'est vrai. Ils sont plus lucides. Ils n'arrivent même plus à se trouver la bouche. Quel affront. C'est rien, ça va se libérer dans quelques instants. 76 minutes 45 secondes de jeu, Toulouse 24, Clermont 18. Ça veut dire le bouclier de Brennus pour la ville rose. Brennus, oui, garde-le, oui, avec Ticori. Quelle tenue de balle. Ah oui, t'as vu ça un peu. Ah, la marotte, ferme le bras. Il faut conserver ce ballon. Ouais, Toulouse, c'est fait. 77 minutes, il y a quoi, 3 minutes à jouer, mais c'est long. Ça sent bon tout ça. Non, mais c'est long, 3 minutes. Ah oui, c'est vrai, ça peut être très très long, un peu le money back. Attendez, d'ailleurs, on le revient. Public s'en va, tu vois. Il le sent que 3 minutes, c'est quand même terrible à tenir, même si là, ils le font très bien. Petite balle, oui, par-dessus, voilà. Ah, ça, c'est mal négocié de la part des Toulousains sur cette musique douce. Ah oui, qui va permettre quand même au Clermontois de monter le ballon. Ah oui, mais il y a du monde sur le ballon. Ils sont là, avec Jean-Pierre Bonatieu, David Fumal, Philippe Hewale. Allez, Clermontois qui nous affolque. Ils essayent pour l'instant, mais oh, quelle défense toulousaine, oui. Sans faire de faute, voilà, il ne faut pas qu'il fasse de faute, les Toulousains, qu'ils maintiennent les Clermontois très loin. Oh, il a failli, sans faire de faute. 78 minutes de jeu, nous rentrons dans les deux dernières de cette confrontation. Ils ont perdu le ballon pour qui? Pour un en avant qui non, profite non, non, de non, tous avant, les uns qui vont le récupérer. Ouais. Oui, c'est fait. Allez, ça joue avec un petit peu de tactique. Oh, il s'est fait sécher, Kiki. Une tarmarque. Ah, il s'est fait sécher. Ah ouais. Alors là, ça rejoue, c'est pas sifflé, pas du tout. Et l'autre, il est allé dans le côté gauche tout droit. Oui, il est allé à fond. Mais allez, c'est clairement toi qui s'organise. Oui. Une tarmac, tout frais. Et ce sera un en avant ce coup-ci. Ah non, c'est pas une tarmac. Oh, ça devient fou, non, on peut plus. Moi, je tiens plus, Jacques, je n'en peux plus. Ce rugby me tue. Ils sont bien réels et... Oh, je n'en peux plus. Et Toulouse qui est devant. Ça traîne un peu, cette fin de partie, mais ça frémit. Le Stade Toulousain devant avec 24-18, 6 points. On peut quand même considérer là. Ça n'est pas un essai transformé, Jacques. Alors, ça n'est pas un essai transformé des cas. C'est bon ça, alors. Eh bien non, mais c'est pas. Je te dis que c'est pas. S'il marque un essai et qu'il le transforme, les Clermontois ont gagné, Jacques. Il n'y a pas à rougerir. Hein. Allez, Jean-Louis. Vanina sort. Ouais. Cuite Vanina là ce coup-ci. Elle a mêlé au bénéfice de quelle équipe? Ce sera pour Clermont visiblement. Clermont, oui. Production. Oh là là, dernière minute de jeu. Devant la ligne médiane. Clermont la balle. 6 minutes. Un essai transformé, ils sont champions. Un essai non transformé. C'est gagné. Ils sont pas champions. C'est bon pour Toulouse. On va dire c'est gagné.
Comment ça c'est possible? Non, c'est pas joué. On va faire ça avec une super combinaison. Ils y font. C'est rapide, mais c'est contré. Ils ont là. Ils ont la pelota pour l'instant. Clément, voilà, dame, maintenant, récupération. C'est là. Nicole Colmi. Oh, les Toulousains jusqu'au bout. Mort de faim. La pelota para Colmi. Il faut jouer encore. Il faut jouer encore un peu. Il y a quelques secondes. Quelques secondes à tenir. Il faut se battre. Conserver c'est le cuir. Temps, c'est dans, quelques secondes. C'est dans la besace. Allez, ouais, c'est allez. Bientôt, champion. Pas tout encore. Non, 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 c'est pas fait. Si. Une perte de balles, Jacques, c'est terminé. Mais regarde. Non ouais, on maintient là. Le niveau. Et on va même le plater. Tu vas voir, je vais t'en mettre un. Ah non, il faut pas perdre. Surtout pas perdre le ballon. Pas perdre le ballon. C'est sorti, c'est dedans. Non, il y en avant. En avant. Ah, pour Clermont. Okay. Oui, il a fait en avant. Cognon. Un petit suspense intéressant, 24-18, que vont faire les Clermontois, ah bah, toi, il faut toi. Jouer. Ils vont jouer. C'est sûr. Et oui, ils ont la mêlée en avant pour Clermont. Allez. Oh, quelle erreur. Peut-être inverser la tendance. Non. Non. Et après, il ne faut pas qu'ils le marquent, tu vois, au milieu des poteaux, même si c'est un essai, tu vois. Il ne faut pas qu'ils aillent au milieu c'est des ça. Poteaux. Il faut que ce soit dans l'angle non. bien difficile à transformer. Les Toulousains, magique en défense depuis le début de cette partie Grand Prix. Mêlée. Un seul essai. Mêlée. Dernier oh, suspense, yes. What? Top 14. Je n'en peux plus. Et quant à nous, on se retrouve mardi, les gars. Pas lundi. Non, non, pas lundi pour l'équipe de France féminine. Mardi. Elle est qualifiée, c'est lundi. C'est fini, mais mardi. 20h55, c'est... 20h55. Anniversaire. Yes. Anniversaire, Sportaz, 25 ans. Et avec les Clermontois qui oui, écartent. Oui, prenez-le, qui prenez-le. Le chaud. Non, le doc n'a pas pu arrêter le Clermontois, mais là, le ballon est mal barré. Ah, il est cuit. Il est cuit, il est pris. Le ballon, il est où, il est où, il est où. C'est fini. C'est fini, les Toulousains, champions of the France, 24-18. Ah ben ça alors. En 2019. Stade Toulousain champion. Oh. Champion. Brand new is come back. Champion. Qui nous est? Ah, l'esprit toulousain récompensé, meilleur marqueur d'essai avec un record historique en première phase de championnat. Mais oui, ils plus ont de 100 essais. C'est vrai, mais là ils ont eu combien ce soir? Ils en ont mis deux. Trois. Deux. Eh ben, deux. Alors, et les autres? Zéro. Alors, caca. Un Toulouse, on a mis le rose. Allez. Ah oui, oui, c'est la surprise générale. Ah oui, ils ont tombé le magot. Ah, ils ont tombé le l'Auvergne. Ils ont fait chuter l'Auvergne. Le monstre qui se présentait face à eux. Ils ont ratatiné les montagnes auvergnates pour remporter le titre. Ah, le syndrome de Clermont face en finale aux Toulousains. Sixième défaite. Ah oui, là ça commence à peser. Clermont qui a eu tant de mal hein, à obtenir le bouclier de Brennus, d'ailleurs à cause du Stade Toulousain, mais qui l'a eu entre temps. Oui, contre les autres. Hein, contre les autres, jamais contre nous. Enfin, j'ai dit nous, on ne nous sommes pas à Toulouse, bien sûr. Dernier. Qui vient de mourir. Et... Ah oui, on oui. meurt de bonheur sûrement dans toute la ville, dans ce Stade Toulousain. Agaillado est une cathédrale ici. Toulouse, champion de France de rugby. À toi de jouer. Allez, on ira demander un super maillot à la fin. Ouais, un maillot naze. Vraiment un maillot naze. C'est le plus facile. Alors, zone interview. Alors vous préférez les maillots jaunes, maillots roses ou mayonnaise? Ah non, c'est pas une blague. Vraiment, sur la couleur des maillots, vous pensez que ça a une influence sur le jeu? Non, non, non. Qui est déjà fou de la moutarde, on s'en fout. L'important c'est, enfin, c'est le goût à la fin. Oh putain, quelle ambiance, quel truc, c'est délicieux. Un œuf, un peu d'ail et un peu de ciboulette, c'est l'éclate totale. On se régale et les gens sont heureux avec ça parce que c'est bio et l'important c'est le bio. Alors Guitou Noves, la farce cachée, ça c'est votre spécialité. Hein. Vous avez une préparation vraiment affinée. Mais oui, parce que c'est comme ça, c'est Guitou Noves. On est. C'est lui qui m'a fait venir ici. C'est là. J'étais là, j'étais ailleurs. Merci. On est champion, on va dire, on peut putain, dire. On est champion. Hein, oui. Michel Chevalier. C'est dedans. On y va.
es campeón de Francia, la formación de Tolosa a perdu la formación de Clermont-Ferrand. Champion de Francia, porque ha ganado 24-18 Vamos. Vamos, si, que vamos. Non, quand même, respect de l'adversaire, Clermont. Oui. Ouais. Oui, oui, qui fait une mêlée là, mais le match est fini. Il faut leur dire que le match est fini. La mêlée, il n'y a pas le ballon d'ailleurs. Le jaune d'œuf a tourné. Il n'y a pas le ballon, c'est pas la peine de faire une mêlée maintenant. Ils ont perdu. Perdido, Stade Toulousain. Stade Toulousain. Oh, quelle pissoirie quand même. Alors, on veut voir le Brennus. Qu'est-ce qu'on pense? Non. À moitié. Oh, non. Pile ou Nus? Non. J'avais pas besoin. Non, bon, si vous n'avez pas besoin, alors on laisse. On savoure l'instant. Hein, ah voilà, quand même, 7 ans. Oui, on prend le temps. On peut profiter un petit peu quand même. On savoure la défaite clermontoise, c'est ça qu'on savoure surtout. Perdido, hein, Perdido l'Auvergne. Et viva l'Occitanie. Ainsi va le jeu. Ainsi va la vie. D'ailleurs, Jacques, écoute, si on regarde l'histoire de ce championnat, ouais. Toulouse avait fini avec 15 points d'avance sur Clermont-Ferrand. Ouais, déjà. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, il y a d'autres chiffres qui parlent. Donc, bon, c'est un petit peu quand même normal que Toulouse, finalement, l'emporte. C'est logique. Demi-finaliste de Coupe d'Europe, hein, comment Tam. Oui. Oui. Hein Tam. Gagnant, Toulouse, Toulouse. Qui ne sort pas n'est pas fiscalisé. Ouais. It's kind of like a match, ouais. Une russe un peu, non? Ah, une joie alors, dans le stade. Je sens que tu veux faire le Brennus. Je sens que tu veux faire le Brennus. Loli Brennus, alors. Toulouse champion. Ouais, avec une force collective impeccable, une manipulation de balles géniale. On a eu peur. On a eu peur, hein, à la fin sur l'impact physique. Ah putain. On s'est dit que c'était dommage, mais... Mais Sportage, c'était vraiment bien ce soir. Ils se sont déchirés parce que c'était pas facile de commenter ce match. C'est dur, quoi. Il y a du suspense, il y a de l'enjeu. Je comprends que ce soit pas... La zone d'interview, c'est un truc que vous aimez pas. En général, vous ne parlez pas. Non, la zone d'interview, c'est chiant parce qu'il n'y a personne qui comprend ce qui se passe parce que les gens n'ont pas les images, vous comprenez? C'est ça le problème. Si. On doit atterrir, Jean-Louis, assez rapidement. Sportas 902. La soucoupe se fait. On a gagné. Ah ouais, oui, ça doit embêter un peu certains. Au niveau de la fédération. Oui, certainement. Si vous voulez ce que je veux rire. Si mon petit doigt me le disait, j'ouvrirais la porte. Human vampires seeking blood. Absolutely. Sportas en crypt. AKKOE1276. Sportas. C'est 902 Sportas, oui. Et bientôt les 25 ans, donc mardi prochain. Allez, dis-le. Oui, dis-le. Avec un programme pro. Dis-le. Mardi prochain, nous fêtons les 25 ans de cette émission. 25 ans de Sportas. 18 juin 2019. Absolument. 18 juin 1994. Oui. Oh. Le grand écart, 25 balais. Et bien sûr, vous serez au rendez-vous sur Angleterre-France pour l'ouverture du championnat d'Europe, on va dire en tout cas en ce qui nous concerne, championnat d'Europe espoir de foot masculin. Oui. Des petits. Petits. 25 balais, mais le ménage n'a toujours pas été fait. Sur ce, et hors zone d'interview, nous vous disons. Oui, nous allons. Nous vous laissons le Brennus, madame. À vous d'en décider du Brennus, mademoiselle.
Brennus, monsieur. Toulouse, campeón. Vainqueur du top 14. Campeón. Top 14. Campeón. Top 14. Campeón. Top 14. Campeón. On commet les crimes dans le grenier. Et tous à la cave. Champion de France. Go. Ah, c'est terrible, on n'arrive pas à partir. C'est la teuf, hein, un petit peu. Tu nous dis, hein, Jean-Louis. Le risque dans le film, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans, en bonus, dans le film, on vous propose en scène coupée, qui sont en fait pas des scènes coupées, des scènes alternatives. Bon, quand c'est tu une veux. Belle image de l'entraîneur qui... C'est une belle image que celle-ci. Hugo Mollard. Ouais. Excuse-moi, Jacques, mais c'est une belle image que l'entraîneur qui joue le... Ah, le catalyseur de bonheur. Ouais, exactement. Le catalyseur de bonheur. Ouais. C'est il a été jusqu'au bout, finalement. Ouais. Jusqu'au bout. Madame, nous vous disons bonsoir. 36 joueurs. Mademoiselle, nous vous disons... à bientôt. Plus avec les recharges data... Rechargez-vous. À mardi. Monsieur. Mardi. L'anniversaire. 25 balais. Oh. L'anniversaire. Oh. Premier suicide. Oh, c'est terrible. On n'arrive pas à vous quitter. Je veux une crampe. Toulouse est champion. Toulouse est champion, Jacques. Toulouse est champion. Avec... Michael. Michael Moore. Michael Moore qui... C'est un très bon film. C'est un très bon film. J'ai vu un très bon film cette fois. Avec de bons acteurs, des bonnes séquences vidéo, de bons travelling. J'ai très bon vu quelque chose avec des belles photographies. J'aime beaucoup ce cinéma. J'aime beaucoup ce cinéma parce que c'est très vivant. C'est très, très agréable. Il y a des choses très belles dans ce cinéma. Et j'aime beaucoup cette vision... Des sports en général, et je dirais que la prochaine fois, je reviendrai l'année prochaine peut-être pour filmer la finale avec les amis. Et oui, je vous l'ai dit, franchement. Merci à toi. Hein, on se revoit dans un prochain film, peut-être sur un plateau. Non, tu n'es pas si bonne actrice, tu le vois bien, tu sais pas parler, tu sais pas poser les questions, tu sais pas... Non, je peux pas te prendre. Par contre, si, j'ai vu ta mère tout à l'heure. Zone interview va être fermée, hein, les gars. Il vaut mieux. Allez, donc, allez, on se fait bouclier au point où on en est. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Et le succube. Je sais pas ce que c'est, monsieur. Ça vaut cher. Succube. Ça doit valoir cher. En tout cas, là, on a toujours notre sponsor principal, finalement, YouTube. You but, mais ce soir, exceptionnellement, il s'est accepté de passer au rugby. Allez Jean-Louis, on va aller jusqu'au... Et Jacques Laboulou, il l'a fait exprès, il a laissé tourner les sons. Les bougies. Il a tout fait. Voilà. On va jusqu'au Brennus. C'est cette transmission-là. Ben oui, c'est un peu ça, Sportaz, depuis bientôt 25 ans, la transmission-là. Voir la retransmission ici. Sportaz 902, sur une finale, sur une victoire. Vous n'êtes pas heureux. On est champion. Qui incarne chacun une forme des plaisirs. Chacun incarne un péché capital. Oui, bien sûr. Du rugby. C'est que du sport, en quelque sorte, rugby de terroir qui ressort parfois. Quelques larmes, là, regarde, allez, ils vont monter. Ah. Ils vont monter, aller chercher leur trophée. Quand même, depuis 7 ans, on leur doit bien ça, eux, qui nous ont fait tant rêver depuis le début de Sportaz, depuis 25 ans. C'est vrai qu'on les a suivis, hein. On les a suivis depuis le début, on était là.
Et alors ? Oui, donc on mérite aussi notre petit trophée. On va aller chercher notre trophée. Alors, ils ont revêtu des t-shirts blancs avec un mot dessus, Jacques. Soy. La 20e. 20e, eh oui, 20e, ils avaient prévu le putain, sans déconner, les mecs. Hein ? Ils sont pas de 20, mais. C'est la 20e. Légèrement prétentieux, quand même. Ouais. Ils avaient déjà les t-shirts, les salopards. Alors, finale saison 18-19. Ça termine bien pour les rouges et noirs. C'est magnifiquement inscrit, hein, 20e, avec ce star. Oh, dis donc. Oh là, le Brennus, Jean-Louis, le Brennus. L'ancien du stade, maintenant, le doc, le vieux doc. Wolverine. À côté. Cette coulée blanche là, c'est alors que tous les journalistes, tu vois, tout le truc gris là, c'est les journalistes qui se sont barrés. Ah non, ils se sont rapprochés peut-être. Mais pour non. Se faire. Ils sont allés boire un coup. Merci, je ne te connais pas, merci quand même, je te serre la main, ouais, merci, je ne te connais pas, touchez-moi. Stéphane Graffarin. Ils vont pas monter tous sur le truc là, hein, parce que là quand même c'est serré, oui c'est un peu serré quand même. Ouais, mais regarde, c'est à 35 là-dessus avec un gamin dans les mains. C'est fait avec humour. Oui, avec amour aussi. Toulouse est champion. Champion Toulouse. Au revoir. À l'année prochaine. Bon, allez, on a un dernier morceau. Oui, on suit. Ça va rentrer. On suit, Jacques. Allez. Ah oui, Jean-Michel. On a gagné. Macron. On est content. Ce fut long, mais ça s'est dessiné tout de même assez rapidement en deuxième mi-temps. Oui, il y a eu, alors qu'on a cru à un moment donné que l'emprise physique des Clermontois allait faire la différence, et bien non. Ce Toulousain sur cette musique qui a été composé par Jean-Louis la nuit dernière, spécialement pour cette finale, a remporté son titre. Nous aussi, nous avons su anticiper. Bravo Jean-Louis. Le Stade Toulousain... Ouais. Magnifique vainqueur du top 14. Et qui va brandir ce bouclier tant espéré. Allez. Tant recherché. L'image, l'icône, dans quelques instants. Et asseyez-vous, les gars, sinon tout le monde se pète la gueule. Hein. Le podium n'est pas prévu pour des gros comme vous. Alors, où est ce bouclier de merde là ? Il arrive, hein ? Il est costaud. Hein, ils ont été le chercher à la cave. Là, c'est lourd. Où il est ? Oh ! Bouclier. Ah non. On trépigne. Ah oui, on n'a pas le trophée. Le bouclier n'est pas là. Il est resté à Stuttgart. Et ça, c'est un coup de la porte, quoi. Il a confisqué le bouclier. Il est resté derrière la porte. Il ne veut pas que Toulouse l'ait. Ouais. Toulousain. Ok les gars, on est. Dépêchez-vous les gars parce que nous le morceau il va se finir bientôt. Là. Plus que allez, quelques il est secondes, là. Attention. Il est là. Voilà. Il est là. Stade Toulousain, vainqueur, winner. Top 14. Bravo les gars. Yes. Très belle saison, très belle finale, très bel état d'esprit. Oui. A gagné d'eau. Très belle canto. Ah, ça fait du bien tous ces. Il neige. Campione, Toulouse, campione, Francia, goal! Et voilà, une ligne de plus, le 20e pour les Toulousains. Magistral. Un Brennus, ça a l'air de rien. Mais c'est quand même beaucoup. Le Graal du rugbyman. C'est vrai. Bonsoir madame. Mademoiselle. Monsieur. On ne se jamais seul, mais en famille.